Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier Facebook Live de la journée. Il est 17h10, on a un tout petit peu de retard, mais bon, on a des bonnes raisons parce qu'on est en compagnie d'un grand, grand champion, Julien Guerrier, qui est là avec nous. Salut Julien, comment vas-tu? Ça va, bonjour à tous. Alors, pendant ce Facebook Live, on va parler de pas mal de choses. Tu sais que le Masters devait être effectué il y a quelques jours, devait se terminer il y a quelques jours. Et tu fais partie des Français qui ont participé au Masters grâce à ta victoire au British Amateur. Donc, je voudrais qu'on parle de ça quelques minutes. Et puis après, on parlera un petit peu de ton swing, de ton jeu. Et moi, j'ai eu l'occasion de passer un petit peu de temps avec toi à l'île Maurice durant la Freja Bank Maurice Open, donc une épreuve du European Tour. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est ta façon de t'entraîner. Je trouve que, voilà, on avait parlé un petit peu de ton entraînement, des exercices que tu faisais, et je trouve que tu as une structure d'entraînement qui est vraiment superbe et qui est vraiment inspirante. Et je trouve que pour les joueurs amateurs qui nous regardent, l'entraînement, pour moi, si aujourd'hui on devait me dire quelle est la plus grande différence entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs, je dirais leur façon de s'entraîner. Je dirais que les joueurs professionnels, vous avez vraiment un entraînement qualitatif que vous mettez en place. Et souvent, les amateurs, en fait, ils savent pas quoi faire et comment progresser. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est « Lewis, je comprends pas, quand je vais au practice, tout se passe bien, et quand je vais sur le parcours, ça se passe pas comme ça se passait au practice. » Et là, pour le coup, quand je t'ai vu t'entraîner, je me suis dit « Waouh, il y a un super sujet à faire là-dessus, et je suis ravi vraiment qu'on puisse faire ce Facebook Live ensemble aujourd'hui. » Donc, Masters qui devait avoir lieu la semaine dernière. Tu y as participé au Masters il y a quelques années en tant qu'amateur. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment on vit finalement ce tournoi à l'intérieur des cordes? Parce que nous, on le voit à la télé, tu sais que le Masters, ça fait partie de ces tournois emblématiques qu'on regarde et on est comme des fous. Mais toi qui l'as vécu de l'intérieur, comment ça se passe finalement une semaine de Masters? C'est déjà des rencontres énormes avec des grands champions. Un parcours qui, c'est vrai, quand on arrive, c'est hyper vallonné. On se rend pas compte. Hein. De toute façon, la télé écrase énormément. C'est une ambiance particulière. Il faut savoir que le lundi, mardi, mercredi, il y a 50 000 personnes autorisées en spectateurs, alors que pendant le tournoi, il y a que 35 000 personnes. Donc, en fait, on arrive normalement sur un tournoi du circuit européen. Quand on arrive le lundi, mardi, c'est un peu tranquille. Sauf que là, c'est blindé du lundi quoi. Et puis moi, j'étais arrivé, je crois, le samedi. Bon, ça fait quand même déjà 13-14 ans que je l'ai joué, le Masters. J'espère le rejouer prochainement. Bon, il reste encore un peu de travail, mais quand j'ai joué le dimanche, par exemple, il y a pas de spectateurs. J'avais joué, je crois, la partie avec Camille Vegas, qui était pleine bourre à l'époque. Et c'était juste, c'était impressionnant quoi. Quand je suis arrivé le lundi matin, je me suis dit mais waouh, t'es pas au même endroit, c'est pas possible. Alors la particularité quand tu gagnes le British Amateur et l'US Amateur, c'est que et j'en parlais avec Romain Langas qui est un petit peu dans les mêmes situations que toi quelques années plus tard, mais vous dormez sur place. Les amateurs vous dormez en fait. Dans la chambre dédiée pour les winners du British Am. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu arrives? Parce que je sais que on peut décider ou pas de le faire ou pas, mais est-ce que toi tu as... Alors moi en fait, il faut savoir que oui, il y a une salle dédiée. Du coup, c'est un dortoir. On est 5, il y a 5 amateurs. Enfin, à l'époque, je crois que c'est toujours 5, mais à l'époque on était 5. Et en fait, c'est 5 lits avec des petites séparations où c'est ouvert en haut et en bas. Donc c'est vraiment austère. Commençant de formation, t'es juste à côté. Et en fait, c'est dans le grenier. Il faut savoir que c'est dans le grenier du club. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, il avait fait très très chaud. Il y avait la canicule pendant 2 semaines. Et comme tout grenier, quand il y a la canicule, il fait très chaud. Donc, je m'étais réfugié avec les copains qui avaient pris une maison. Et il faut savoir que moi, j'avais décidé de je voulais aller dans un premier temps dormir là-bas, et après c'est vrai que je me suis dit que ça allait pas être possible et que j'allais pas être dans de bonnes conditions. Donc j'ai décidé de partir dans la maison avec les copains. Ouais, Romain avait eu un petit peu la même réflexion. Il m'avait dit que voilà, je crois qu'il a pas passé toute la semaine, mais je crois qu'il a passé une ou deux nuits. Je me trompe peut-être, mais je sais qu'il a il a passé au moins une nuit. Et en fait, il s'était réveillé le matin et c'était vraiment dans une ambiance très particulière, même si voilà, c'est emblématique et tout ça, de dormir
dans cet endroit voilà, qui est là depuis des années et des années, mais c'est assez particulier comme ambiance, et même le matin, je crois qu'il y a beaucoup de bruit, tu sens beaucoup plus la pression, enfin tu vois, Bah, c'est sûr que c'est assez rare de se lever entre guillemets en pyjama et de descendre dans le clubhouse du Masters, ouais, ça c'est clair. Mais c'est un peu un cadeau quoi, faut prendre ça Ouais, comme c'est ça parce ça, qu'on est c'est ça. amateur, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre et puis on découvre quoi. Rappelle-moi le J'ai nom. Le nom, c'est le Nest. C'est le Nest. c'est le j'ai Crow's je me Nest. rappelle Crow's plus, Nest, ou quoi? Ouais. ouais c'est ça, c'est le Crow. Crow's Nest. Le Crow's Nest. Et en fait on n'ouvre pas assez les yeux, je trouve. Même, c'est la réflexion que je me suis faite après coup. T'es un compétiteur, donc tu as envie de bien faire. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en tant que compétiteur, bah, tu mets un peu les œillères, tu essayes de faire ton truc. Et puis, à la fois, c'est des champions à côté, faut les copier, c'est le top mondial. C'est assez difficile de vouloir être compétiteur et de les battre, et en même temps tu les admires parce que c'est ce qui se fait de mieux dans le monde quoi. Donc C'est la première fois aussi que tu te c'est la retrouves dans une première fois, situation sur un etc. practice avec ces mecs-là. Je me souviens une petite anecdote, j'étais au Chipping Green, donc à Augusta, et puis l'herbe est très très rase, mais vraiment c'est quasiment du green le fairway. Et puis comme il y avait eu de la canicule pendant 2 semaines, le sol était très dur, donc c'était comme du carrelage. Et moi, j'étais arrivé avec un sandwedge, avec un bounce assez élevé de 8 ou 10, pour ceux qui me connaissent. Et puis, en fait, j'avais Olazabal qui me voyait faire un peu des lob shots et je faisais, entre guillemets, que des fusées. Et il me dit, Julien, mais tu peux pas rester, va dans le camion et prends-toi un 4 de bounce, quoi. Donc ça veut dire que j'avais très peu de bounce et j'ai pu faire mes lob shots plus facilement. Julia, Donc, Julia. c'est ça, exactement. Ah, mais il parle français en plus, Mais donc c'est pour ça. il est tellement sympa à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec une personne qui croise Olazabal. À chaque fois, Olazabal a toujours cette casquette de mentor. Il est toujours dans le conseil, dans aider. À l'époque, tu le connaissais ou pas déjà, Olazabal, ou tu l'avais rencontré au Masters? Non, j'avais joué en fait, donc j'avais gagné le British Amateur et un mois après on joue le British Open, donc en tant qu'amateur. Et donc l'année suivante je jouais le Le Masters. Masters, ouais. Donc ça c'était en 2007 le Masters et en 2006 donc j'ai fait ma partie de reconnaissance. Je me suis dit où tu t'inscris sur une liste et tu te dis comme j'avais jamais joué avec de grands champions, je me suis dit bon tu t'inscris là-bas au British Open pour savoir ton heure de départ, etc. Et puis j'avais le choix entre Michael Campbell et Ernie Els, et j'étais là, ou Jiménez et Olazabal. Et puis en fait, j'avais écrit mon nom à côté d'Olazabal, et puis bon, bah, c'est vrai que tu te pointes sur le départ, toi tu les connais, ils te connaissent pas, c'est intimidant. Et je me rappelle que c'était la fois où j'ai eu le plus de stress de toute ma carrière. C'est vrai. Ah ouais, à ce moment-là. Sur le départ, donc en partie d'entraînement, même pas En partie, ouais. partie Alors qu'après, d'entraînement. après, je jouais avec Adam Scott et Henrik Stenson en tournoi et ça s'est passé top. Bijou. Alors que parti, ouais, mais À parce que la j'avais claquette. jamais joué avec de grands champions. Ouais. Donc voilà, toute expérience est bonne à prendre et si on peut, si on peut les croiser et jouer encore plus avec eux, c'est génial, quoi. C'est incroyable parce qu'en 2007, donc moi je rentrais en formation pour devenir enseignant, au Golf National. Et je me rappelle de ta victoire. Je me rappelle de ta victoire. Je t'avais jamais encore rencontré, donc c'est marrant je me rappelle très précisément 2007 quand t'as gagné comme si c'était hier, tu vois. Et c'était vraiment c'était Julien Guerrier, un Français qui gagne le British Amateur, qui va jouer le British Open, qui va jouer le Master. C'était complètement dingue, c'était complètement ouf pour nous Français, tu vois, de le vivre et d'entendre maintenant toi qui parles du British Open et qui tu dis, moi j'étais comme ça quand j'étais à Colazaba, tu vois, genre, Complètement. ouais, c'est juste des moments fabuleux. Et c'est vrai qu'à travers cette carrière, on va parler un petit peu de l'entraînement après, qui est pour moi le sujet principal de ce live, Julien, mais t'as une carrière vraiment inspirante dans le sens où tu vois, tu as connu cette ascension rapide 2007-2008 où tu vois, tu gagnes des énormes tournois amateurs, tu joues le Masters, tu joues le British, tu vas sur le circuit européen et ensuite tu connais quelques années où tu es sur le Challenge Tour, tu gagnes sur le Challenge Tour, tu t'es blessé à un moment et aujourd'hui on est en 2020 et tu te retrouves sur le circuit européen. Donc c'est vraiment en quelque sorte le parcours du combattant, quoi. Tu vois, le Ou gars qui a guerrier, vraiment. Ouais, le gars, ouais, le gars, ouais, Julien Guerrier, le guerrier. Effectivement, j'aurais tu préféré portes. que ce soit un peu plus un long fleuve tranquille, mais malheureusement, ça l'a pas été. Ouais, mais même, enfin, tu vois, je trouve que c'est vachement intéressant justement de pouvoir
évoqué, tu m'avais dit que tu avais regardé le live avec Romain Langasque. Tu vois, Romain, pareil, quand j'ai discuté avec lui, j'adore cette transparence de dire, bah voilà, il y a des moments, c'est pas un parcours facile. Il y a des moments où c'était compliqué, il y a des moments, il y a des bons moments, mais c'est aussi les moments qui sont un peu plus compliqués qui nous rendent les joueurs qu'on est aussi. Et moi, ce que je voudrais te poser de question avant, la question que je voudrais te poser avant de parler d'entraînement, c'est qu'est-ce que ce parcours, le parcours du combattant, le parcours du guerrier, qu'est-ce que ça t'a aujourd'hui permis d'apprendre pour devenir le joueur que tu es aujourd'hui solide sur le tour européen? Bah déjà, quand tu vis les choses de l'intérieur, tu essaies toujours de faire le mieux possible. Après, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été en bonne posture et quand je suis monté sur le circuit européen et quelque part, pof, je me suis blessé. Dès que j'ai été en bonne posture, bizarrement, il y a eu un truc qui s'est passé. Donc moi, je l'ai mis sur le coup du de. Alors c'est inconscient, mais c'est un peu le côté mental qui. Chez moi, en fait, j'ai envie de bien faire, mais en fait, c'est un peu le côté responsable d'être joueur de golf de haut niveau, d'être un pro, d'être regardé, comment dire, d'être bah, admiré, cette position, en fait, cette posture, parce que quand on est golfeur, bah, au début, on commence, on est amateur. On faisait des petites compétitions, on gagne, et puis après on fait à l'échelle nationale, on commence à gagner, on commence à être regardé, on commence à être jalousé, et puis à un moment donné, tu deviens en haut de la pyramide, je parle par exemple amateur, et faut se préparer. Je suis vachement admiratif des mecs comme Rory McIlroy, de ces champions qui sont non seulement bons golfeurs, bons businessmen, et qui sont faits pour être des champions, parce qu'en fait toute cette attente qu'il y a derrière, faut savoir le gérer en fait. Et quand on revient par rapport à quand j'ai gagné le British Amateur, en fait j'avais jamais gagné en amateur. J'étais parmi les bons amateurs dans le monde, et je faisais que des top 10 dans les meilleurs tournois. Mais j'arrivais pas à gagner. Et je m'en souviens, Pascal Grisot m'a dit, j'avais envie de passer pro, et Pascal Grisot, il me dit, mais attends, Julien, t'as pas gagné un gros tournoi, un événement international. J'avais gagné la Frayssinous-Mouchy, qui était un beau trophée, mais j'avais pas gagné au niveau international. Donc, j'étais resté une année plus, c'est tombé sur le British Amateur. Alors, bien, pas bien, j'ai été mis dans la lumière, Paris Match, etc. Et ça, après coup, j'ai pas réussi à le gérer. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et en fait, ce que je remarque, c'est que j'arrive beaucoup plus à gérer tout ça. Et j'étais peut-être pas. Tout le monde disait que j'étais vachement mature à l'époque, à 20 ans. Et en fait, concrètement, je l'étais pas, je pense. Et D'accord. je pense que, ouais, pour répondre à ta question par rapport à mon parcours un peu du combattant, c'est plus. Ce que je changerais, c'est d'essayer d'être le plus responsable possible et essayer d'assumer mon statut, en fait, que je n'ai pas assumé à l'époque. Ouais, mais aujourd'hui, là, tu vois, tu es sur le circuit européen. Donc, après avoir connu ces moments, comme tu l'as indiqué, quand je t'entends, j'ai l'impression que t'étais peut-être pas prêt au moment où la réussite est revenue assez rapidement après cette victoire sur le British Amateur. Et que j'ai l'impression, quand je t'entends, hein, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un peu, voilà, j'étais pas prêt, en fait. J'étais pas prêt à tout ça. J'étais pas prêt et donc ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter et de pouvoir. Pour moi, j'ai pas assumé le fait d'être un champion de golf, et c'est vrai que dès qu'on me complimentait, etc., je n'arrivais pas à l'entendre. Et Et j'étais assez. comment tu as travaillé là-dessus, Julien, à travers ce parcours? Est-ce que tu as fait appel à un spécialiste, un expert dans la préparation mentale ou? J'ai eu longtemps, pendant 15 ans, des préparateurs mentaux. Et pour moi, peut-être le remède, bah, je suis papa depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, ça se passe plutôt bien et je deviens responsable, et j'ai peut-être la maturité qu'il faut. Et puis j'ai rencontré aussi Jeff Luquin, qui à travers Benoît Ducolombier. Et voilà, enfin.
On essaye toujours de prendre les meilleures décisions. Je me rappelle quand j'étais passé pro, j'avais 7 personnes autour de moi. J'ai fait des tests de partout. On veut toujours, en fait, ce qui est difficile, enfin, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est qu'on est tous français et à 200% pour faire le meilleur résultat possible. Et comme j'entendais un des copains français, on est souvent les derniers au practice dans les tournois. C'est-à-dire qu'on s'entraîne. Et un peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est que peut-être que c'est vrai qu'il nous manque des joueurs dans le top 10 mondial. Maintenant, on a Victor dans le top 50 mondial et j'espère et je pense qu'il va encore progresser. Mais on a un gros vivier et les années, ça prend du temps. La fédération fait tout pour avoir le maximum de joueurs dans le top 50 mondial et même voir le top 10. Mais on est beaucoup envié des autres nations sur le nombre de joueurs qu'on a Oui, sur le tour. C'est assez impressionnant c'est impressionnant, ouais. et tout ce travail, en fait, c'est hyper. En fait, on s'est rendu compte. J'avais une discussion avec Joël Sojlum, qui est un joueur qui a joué sur le tour, qui est sur le Challenge Tour, qui est revenu sur le tour là, je crois, qui est un Suédois, et qui disait, mais en fait, c'est normal parce que vous avez 4 Challenge Tours. Et mine de rien, cette deuxième division, du coup, comme on a 4 Challenge Tours, on a plus d'invitations. Du coup, il y a plus de Français qui profitent de cette expérience. Et du coup, petit à petit, ça fait boule de neige et les joueurs s'améliorent. Ouais, on en parlait hier avec Raph Jacquelin par rapport à ça, de dire que voilà, souvent on nous compare aux autres pays en disant mais pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, mais en fait il faut se rappeler que voilà, on est quand même avec un jeune pays de golf comme le nôtre, avec ce qu'on est en train de mettre en place, avec les tournois comme tu dis sur le Challenge Tour et des acteurs du golf importants qui permettent justement à des fédérations de sponsoriser les jeunes joueurs qui vont voyager le monde, etc. Enfin voilà, on a quand même des atouts assez impressionnants. Et puis ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de joueurs sur le circuit européen qui Complètement. performent. Ouais. C'est Toutes les semaines, quasiment, on a des gars dans le top 10, dans le top 5 et voilà, enfin, je pense que les gens, il faut qu'ils soutiennent plus que, je sais que c'est assez français de critiquer et puis ça fait partie aussi du sportif de voir tout ça et d'évoluer, mais en fait voilà, Rome s'est pas fait en un jour quoi. Enfin, et surtout, comme tu dis, notre pays est assez jeune golfiquement, on a des années de retard sur le Royaume-Uni quoi. On a des années de retard, mais t'as vu comment. Alors j'ai pas comparé les Britanniques, enfin les Anglais plutôt par rapport aux Français sur le tour européen, combien on en a, mais en tout cas l'année dernière j'avais fait des statistiques sur les performances des Français sur la deuxième partie de saison et on était les plus présents, enfin ceux qui avaient les meilleurs résultats en tant que nation, même si on n'avait pas eu de victoire en dernière partie de saison. Je me trompe peut-être. Attends, c'est à quel moment il a gagné Victor sur le circuit, Victor Pérez? Faudrait que je. C'est en septembre, Septembre, ouais, c'est septembre. ça. Ouais, c'est ça. Donc je me Ouais, trompe c'est sur cette 2000. partie-là. Mais en tout cas, en termes de résultats, en termes de Octobre, top octobre. 5, top 10, top 5, top 10, on a eu des Français qui étaient vraiment à chaque fois podium, comme tu dis, podium, top 5, top Victor nous 10. a bien aidés sur la fin de saison l'année Et dernière. je trouve ça vachement intéressant que tu parles de la naissance de tes enfants et à quel point ça t'a aidé en tant que golfeur, parce que tu vois, ça m'a fait penser à Sergio Garcia, qui gagne le Masters juste après s'être marié avec sa femme, et que du coup il y a cette sensation des fois que quand le golfeur est heureux dans sa vie privée, que du coup ben les choses deviennent plus faciles aussi sur le parcours, parce qu'il y a une sorte de. Tu peux expliquer la raison pour laquelle c'est quand tu es comblé dans ta vie personnelle, voilà, tu as des enfants, tu es marié, tu deviens plus responsable. C'est inconscient tout ça, c'est inconscient. Mais ma rencontre avec Jeff, Lucas, mon coach, qui est un joueur, qui a traversé des moments difficiles, qui sait de quoi je parle aussi, puisque j'ai travaillé aussi, traversé pardon, des moments difficiles. La naissance de mes enfants, à la limite quelque part, enfin de mon fils d'abord et ensuite de ma fille là, récemment, je m'attendais plutôt à l'effet inverse. C'est-à-dire que ça allait être plus compliqué, parce qu'on a moins de temps, parce que ça passe un peu en second plan. Mais quelque part, moi, j'ai envie que mon fils soit fier de son papa, Son hein, papa, comme tout papa, je pense.
On a moins de temps pour s'entraîner, donc on essaie d'être un peu plus qualitatif. On est content d'y aller aussi, parce que faut savoir, comme dans tout métier, quand on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah des fois il y a un peu une lassitude qui arrive, et puis cette envie, quoi. Dès que tu y vas, tu vas, enfin, comme après, dès que tu plantes le titre, t'as envie d'y aller, mais des fois t'as le petit truc en plus qui fait que, et puis bah, ces échanges avec son fils, où t'as envie qu'il te regarde à la télé, quoi. Ouais, Tiger l'avait décrit après sa victoire aussi l'année dernière au Masters. Il y avait cette vidéo, tu sais, où il a son père dans ses bras, et puis il y a une sorte de montage où il a son père dans ses bras, et puis ensuite c'est lui qui tient son fils dans ses bras. Et donc tu vois, ouais. Il parlait justement du fait que voilà, son fils aujourd'hui l'avait jamais vu gagner dans un tournoi professionnel, hein, et donc il savait pas, son fils ne savait pas ce que c'était d'avoir un papa golfeur, et qu'en fait le fait de jouer pour son fils c'était une sorte de nouvelle motivation, une nouvelle c'est clairement une source de motivation, en fait. T'as envie de lui montrer le chemin quelque part. Et puis t'as forcément envie de lui montrer le bon chemin. Donc après, bah, comme moi je fais du golf, c'est de gagner des trophées. Top, top. Parlons un petit peu justement de cet entraînement qualitatif. Tu disais que voilà, le fait d'avoir des enfants, du coup, on a un peu moins de temps pour faire les choses. Mais justement, je trouve ça vachement intéressant parce que quand on s'est croisé donc en décembre, on parlait de ton entraînement avec Sébastien Clément qui est ton caddie et Jeff Luquin que tu avais au téléphone aussi à l'île Maurice. Tu me disais voilà, le soir j'appelle mon coach, on discute, on a un échange, donc t'as vraiment une belle équipe autour de toi. Et Sébastien qui est aussi un bon golfeur, donc c'est aussi cool d'avoir sur le sac un golfeur qui aussi, enfin sait de quoi il parle, quoi. Il sait comment s'entraîner, comment conseiller les amateurs aussi. Donc, comment ton entraînement, est-ce qu'il a évolué au niveau de ces dernières années pour te rendre aujourd'hui un golfeur plus performant? Comment est-ce que tu le rends plus qualitatif, justement, ton entraînement? J'ai un défaut, c'est que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que je recherche la performance comme tout golfeur pro, et du coup, j'essaye, comme souvent aussi les amateurs, on essaye quelque chose de 3 balles, hop, ça marche 3 balles, et puis on va dire la quatrième, pouf, ça marche pas. Et puis et du coup, t'es sans cesse en train de changer de clé technique. Et depuis que je bosse avec Seb, qui est hyper carré, où on échange beaucoup, et moi j'ai besoin de vachement échanger avec Jeff et Seb, et en fait, il essaye de me mettre, parce que comme tout golfeur, on recherche de la confiance, et du coup il me dit c'est pas en tapant un nombre de balles, parce que forcément moi je vais taper, je sais pas, 10 faire 8, je vais en réussir 9, et au bout de la dixième je vais rater la dixième, et du coup je vais retenir que la dixième que j'ai ratée. En fait, Seb me disait qu'il fallait plus que j'aille sur un nombre de balles décidé à l'avance, je tape ce nombre de balles avec l'exercice adéquate qui me va sur le moment, et j'ai pas de 16e balle ou de 14, enfin j'ai le nombre de balles et je reste là-dessus, et en fait je suis vachement sur le process, c'est-à-dire que si je travaille, par exemple on va y revenir, je m'arrête en haut du backswing, je m'arrête en haut du backswing pendant admettons 10 balles, et je fais ça 10 balles, et après je change d'exercice, je refais ça 10 balles, et je suis beaucoup plus structuré. Du moins, je l'essaye. J'essaye de partir, et Seb me rattrape à chaque fois. J'essaye d'être beaucoup plus carré. Et c'est pas être carré pour être carré, mais j'essaye que ça me convienne aussi. Par exemple, je suis quelqu'un qui a fait toujours beaucoup de sport, et j'ai remarqué que là, ça fait donc 3 ans que je joue bien. Bon, j'ai été blessé l'année dernière, et je me suis aperçu, enfin, je faisais plus de sport. Alors après, j'aime ça, donc je fais jamais plus rien, mais j'en fais plus tous les jours. Et je me suis aperçu que mes résultats, ils allaient dans le bon sens. Donc forcément, je suis obligé de le prendre en compte. Et puis j'ai un âge aussi avancé où je me rends compte qu'il faut que j'ai plus d'étirements que de muscu. Donc tout ça pour dire que il faut aussi s'écouter, et que mon âge, je suis pas vieux non plus, mais
Tu vois que le matin, Bah, t'as plus 20 ans non plus. dis pas que t'es vieux, j'ai 35 ans, t'as 34, enfin, tu vois, on est jeune, même Julien. âge, on a On le est très même âge, jeune. mais tout ça pour dire que voilà, faut, en fait, ce qui est le plus important, c'est connaître ses défauts et ses qualités. Et pour l'entraînement, bah, je m'appuie sur quelqu'un qui est un peu à l'opposé de moi et qui me cadre, en fait. D'accord, ok. C'est intéressant, tu parlais du sport parce que quand tu parlais de ton nombre de répétitions, dans ma tête, j'étais en train de le. Donc, moi, je fais souvent ça aussi avec mes joueurs et je t'avoue que moi, j'ai développé ce côté-là à travers. En tant que coach, hein, je le fais avec mes élèves, je l'ai développé à travers le milieu du basket. Donc, avant de rentrer dans le golf, même si je joue au golf depuis que j'ai 3-4 ans, j'étais en centre de formation de basket, je jouais à niveau national, donc j'ai joué pour l'équipe nationale et donc j'ai toujours fait. Je jouais 4 heures par jour au basket et on faisait toujours des répétitions, c'est-à-dire 10 shoots à 3 points, 10 shoots au lancer franc, 10 shoots ici, 10 shoots là. Donc à chaque fois, c'était par un nombre bien précis. Et quand je suis revenu dans le milieu du golf, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu, tu vois. Enfin, j'avais pas vu des golfeurs s'entraîner de cette façon-là. Et quand je t'avais. Alors, ça, c'était. Bon, je parle de ça maintenant il y a 15 ans. Bien évidemment, ça a évolué depuis, mais c'est vrai que quand je t'ai croisé à l'île Maurice, il y avait cette façon de s'entraîner que j'ai trouvé vachement structurée, que moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup, ça permet aussi de dire ok, ben là on va se focaliser sur ça. Et tu sais que voilà, tu as un nombre limité de balles et tu dis j'ai 10 balles, je vais faire ça. Et ça ressemble un petit peu à un entraînement sportif en quelque sorte, quand tu vas à la salle et tu dis voilà, je vais travailler sur 10 squats. Là, Disons je. que l'avantage que l'on a dans un sport co, c'est que en fait tu as un entraîneur adjoint et t'as tout, enfin ils disent bah toi tu fais ça et puis toi tu es le sportif et tu fais quoi et tu te poses pas la question, alors que nous Ouais. on est notre propre patron, on n'a pas de club derrière, c'est nous qui devons structurer notre entraînement, donc c'est bien et pas bien, ça laisse beaucoup de liberté, mais c'est-à-dire que c'est toi qui te bouges le matin et qui dis, voilà, je dois faire ça, 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 et pas rester dans ton lit, par exemple. Parce Alors, que tu peux aussi, ouais, et il y a des tu gens peux qui arrivent dans leur facilement. lit et qui Ouais. ne Et font c'est pas vrai que ça. d'avoir cette Avec qui, je crois que c'est avec Thomas Détry que j'ai eu la semaine dernière en live aussi avec le Journal du Golf qui disait que voilà, tous les jours il avait 1 heure, c'était 11 heures, et tous les jours à 11 heures, même pendant le confinement, voilà, à 11 heures il savait qu'il avait un entraînement d'1 heure et il le faisait quoi, comme si c'était voilà, c'était fixé et que ça lui permettait d'avoir au moins un moment structuré dans sa journée où c'était voilà très précis et je trouve que ce que tu viens de décrire, tu vois, où quand t'es golfeur, t'as du coup t'es ton propre coach en quelque sorte quand tu vas au practice, si t'es pas encadré. Et les amateurs, c'est ce qui leur arrive finalement. C'est que quand tu vas sur un practice où tu as des dizaines d'amateurs qui s'entraînent, ils sont tout seuls. S'ils sont pas en cours, ils sont tout seuls. Et ils se retrouvent un peu avec, voilà, un ou deux ou trois sauts de balle et ils tapent une balle après l'autre en essayant de faire quelque chose de bien. Mais tu vois, ils ont pas cette structure de performance autour d'eux qu'un joueur du tour européen peut avoir. Il y a un truc qui est important, c'est aimer s'entraîner. Parce Oui. que je vois souvent les amateurs, ils vont au practice, ils passent devant le putting green, ils vont au practice. Parce que déjà, c'est plus fun de taper la balle loin, etc., que d'aller sur le putting green. Moi, il y a longtemps, j'ai eu un coach qui s'appelle Maxime Vandeau qui m'a fait aimer le putting. Donc, de m'entraîner pendant 2 heures, ça devenait amusant. Aujourd'hui, 99% des amateurs s'entraînent au putting. Ils trouvent ça chiant, quoi. Et c'est hyper important que les pro-enseignants apprennent à leurs élèves comment aimer s'entraîner, S'amuser. en fait. Ouais, comment aimer Comment s'entraîner, s'amuser s'amuser. ensemble. Ouais. C'est un jeu. J'entendais hier Raph. Raph, j'ai regardé une petite partie et il parlait beaucoup de plaisir et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un jeu, faut pas l'oublier, quoi. Et nous qui sommes professionnels, ça c'est devenu un métier. Et nous, faut pas oublier que c'est un jeu aussi, quoi. Alors Julien, juste avant de parler un petit peu de ton drill, le fameux stop drill qu'on va évoquer à travers cette vidéo avec Sébastien Clément qui est juste derrière toi, parce que j'adore cette vidéo, je suis en train de la montrer en même temps qu'on est en train de discuter et je vais monter le son pour que les gens puissent entendre ce que Sébastien te dit. Ah bah tiens, bah, il est connecté, tu vois, au moment où je savais même pas, il est connecté Sébastien en même temps, donc on va faire un La petit coucou à fouine. ce... Alors je vais lire quelques commentaires parce qu'il y a des gens qui te soutiennent, qui voilà, qui veulent que le meilleur pour toi. Il y a Nicolas
NJ Golf qui dit toute l'équipe du golf de l'après, ton golf de cœur te souhaite encore beaucoup de belles aventures et de belles victoires, Juju. Alors l'après, c'est court pour quelque chose ou il a mal tapé ou c'est quoi ton golf? C'est non, c'est golf de l'après La Rochelle. C'est, ah d'accord, c'est après La Rochelle. Okay. Mon golf de cœur et c'est le golf que je représente aussi. Ok, cool. Il y a Elisabeth Kellas qui nous a posé une super question. Elisabeth, je vais poser ta question juste après qu'on termine le sujet de l'entraînement. Il y a une autre personne qui dit, tu en as fait du chemin depuis le Waterloo. Alors, grosse bise des Rochelais. Donc, apparemment, il y a pas mal de personnes de La Rochelle qui sont là. Alexis Plateau qui dit. Je vous fais un bisou, les Rochelais. Tino qui dit, un bel encadrement technique et un bon entourage familial, ça aide pour les résultats. Il y a Adrien Mork qui on dit un grand bonjour qui dit salut Juju. Adrien qui fait des super trucs aux États-Unis. Ça sera intéressant d'ailleurs d'avoir Adrien sur un live aussi pour parler justement de l'entraînement parce que il y a pas beaucoup de personnes. J'allais dire il y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des 59. Ah, oui. Donc ça sera top de pouvoir. Suivi d'un 62. Hein. Il a fait 62-59. 50 ouais c'est costaud. Alors Sébastien Clément, alors je vais lire normalement je lis toujours les commentaires avant de les dire à haute voix au cas où les gens disent des conneries quand c'est Sébastien Clément qui le dit, donc tu vois, bosser sur le point technique précis sans atteindre dans l'immédiat le résultat de la balle 100% sur chaque balle même au range. Donc tu vois, donc c'est un très 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 bon commentaire de la balle de Sébastien d'être vraiment 100% engagé dans chaque coup que tu es en train d'effectuer. C'est vrai qu'effectivement c'est la discussion que j'ai vu avec toi et Sébastien à l'île Maurice, et Sébastien me parler de l'importance d'être vraiment focus sur chaque coup. Il y a un fameux bouquin qui existe qui s'appelle « Chaque coup doit avoir un objectif ». Et là, pour le coup, c'est même au practice. Voilà, chaque coup doit avoir une intention, chaque coup doit avoir un objectif bien précis. Je vais, si tu me le permets, Julien, alors je sais que toi, tu peux pas voir la vidéo, mais les personnes qui regardent le live regardent la vidéo. Je vais juste monter le son de cette vidéo que vous voyez avec Julien et Sébastien, donc Sébastien avec le polo jaune. Donc, c'est un exercice que... C'est un exercice. C'est un exercice que Julien fait avec Sébastien, où il faut savoir que Julien s'arrête au sommet de son backswing. Et lorsqu'il s'arrête au sommet de son backswing, tu as Sébastien qui est juste derrière, qui lui indique la trajectoire de balle qu'il souhaiterait que Julien effectue. Donc, par exemple, Julien arrive au sommet, Sébastien va dire draw. Le but de Julien par la suite, ça va être d'essayer de faire un draw. Contrario, et puis lui annoncer fade. Donc, tout ça, quand Julien est enclenché dans son swing, il est au sommet, il s'arrête et à partir du sommet du backswing, l'exercice est de décider la trajectoire. Donc je vais augmenter le son juste pour que vous puissiez entendre Sébastien. Dernière fois. Moi j'entends rien. top. Ouais c'était. Donc on le rappelle, hein, Julien est en interview en Skype, donc malheureusement lui il peut pas avoir les mêmes images que vous, mais il sait très bien de la vidéo. Tu sais très bien laquelle dont je parle parce que j'étais avec vous à Héritage Golf Club. D'ailleurs, tu avais fait une belle perf cette semaine-là. T'avais fait top 15, il me semble, Julien, rappelle-moi, c'était top 15. Top 10, pardon. Désolé, c'est top 10, c'est pas pareil que top 15. J'ai du vent, alors je sais pas si. Top 10. Et. alors, ce que je trouve génial avec cet exercice, c'est que ça développe des habilités. On parlait de ça. On parlait du fait que tu développais des habilités et que du coup, tu développais en fait les choses mécaniques que tu dois faire pour effectuer un draw et un fade à travers des sensations. Donc, quand Sébastien, au sommet de ton backswing, t'annonce fade ou draw, tu ne peux pas penser à mécaniquement ce que tu dois faire, tu dois le ressentir. Et c'est là où ça devient vachement intéressant, c'est que tu deviens présent à travers tes sens, à travers des sensations. Donc, toi, par exemple, quand tu arrives au sommet du backswing là, et que Sébastien t'annonce fade ou draw, c'est quoi ta pensée, c'est quoi ta sensation? En fait, déjà, t'as pas le temps de réfléchir parce que ça va, comme tu dis, ça va super vite. Et en fait, déjà, moi, la chose importante, c'est que m'arrêter en haut du backswing, ça m'aide sur le tempo. C'est un super exercice pour avoir un bon rythme. Et en fait, j'ai rajouté cette difficulté parce que quand que tu fasses un draw ou un fade,
si t'es bien positionné, tu peux le faire au dernier moment sans trop intervenir. Et en fait, quand moi je dis draw ou fade, attention, c'est pas un quick hook ou un non non size, non, hein. Enfin, non loin de là. C'est vraiment c'est une balle qui c'est quasiment des coups droits à chaque fois. Oui. C'est 2 mètres parce que c'est vrai que les gens après ils vont penser que je trafique avec les mains, etc. C'est pas la question. Le but c'est vraiment de travailler cette habileté, d'avoir un bon rythme. Et en fait là ce que t'as pas dit c'est qu'en fait moi je parle beaucoup de contact, de divo, comment je chope la balle et de densité d'impact dans l'impact en fait. Okay. C'est ça qui me caractérise et c'est ce travail qu'on fait. C'est la priorité avec Jeff, c'est le contact de la balle. Ouais. Et c'est vrai que j'avais également pas précisé la prononciation de la trajectoire qui était absolument incroyable parce qu'effectivement quand Sébastien t'annonce draw, il y a littéralement pas plus de 4 mètres de draw sur la balle. C'était impressionnant. Ouais. Quand j'étais derrière toi et que je regardais Sébastien t'annoncer fade et draw et que je voyais que la balle tombait au même endroit avec un léger draw 3-4 mètres et un léger fade 3-4 mètres à chaque fois, c'était peut-être moins que ça d'ailleurs, c'était vraiment impressionnant à voir. Et effectivement, moi j'avais effectué cet exercice, c'est mon père qui me le faisait faire, donc mon père qui est coach de golf me faisait faire cet exercice quand j'avais 20 ans, mais il me le faisait pas faire avec la trajectoire, il me faisait faire le stop drill. Et c'est un exercice qu'on la première fois que j'avais découvert à la télé, c'était Tiger Woods qui le faisait beaucoup parce que justement lui il arrivait au sommet et puis il enclenchait le corps très rapidement, donc les bras et les mains et le club étaient très en retard par rapport au bas du corps et le corps, et donc du coup il se retrouvait coincé derrière et il devait rattraper à l'impact, et pour le coup ça lui permettait de revenir avec un peu plus de synchronisation au niveau du club et le corps. Donc c'est pour ça que moi je le travaillais à ce moment-là, et quand je t'ai vu toi le travailler avec la trajectoire en plus, je me suis dit ah ouais là on est passé à un niveau tu vois où de changer la trajectoire. Après, en fait quand je fais ces deux trajectoires fade et draw, en fait le draw bon on n'a pas de problème de spin, mais le fade on a vite une trajectoire qui part basse et qui monte parce qu'il y a beaucoup de backspin, et moi j'essaie de faire ce fade comme la même trajectoire du draw, quoi. Je sais pas si. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je viens du tennis et j'ai tendance, au lieu de tourner, j'ai tendance à tirer sur le club et à pousser avec mon appui droit, comme si je tapais un coup droit de tennis en avançant. Alors qu'au golf, faut tourner et pas avancer, quoi. Donc j'ai tendance à glisser et c'est pour ça que je recherche une trajectoire qui spinne pas trop en fade, parce que souvent quand on fait ce fade, on se lance dedans alors qu'il faut plus tourner, quoi. Alors tu sais, j'adore. Ouais, la Fleetwood. À la Fleetwood. On va montrer ton swing de face et de profil à les vidéos que tu m'as envoyées juste avant ce live. Alors il y a évidemment, tu sais, hein, Julien, à travers ces lives sur le Journal du Golf, on a bien évidemment des amis qui sont connectés. Donc il y a Fred Docher qui est là, qui dit c'est un grand champion, Fred. Juju. Et qui dit tout est bon, la coupe de cheveux, la tenue vestimentaire, le décor, bravo. Donc ça c'est, alors, ça, c'est bien, ouais, c'est ça, hein. C'est ce que j'allais dire. Ça c'est tout à fait un commentaire à la Fred, ça. Fred qui a également joué l'Open de France. Ouais, c'est une beau. Et il faut Fred qui fait partie de ses enseignants, qui aujourd'hui évolue en Suisse, mais qui, il faut le dire, fait partie des très, je crois qu'on peut les compter sur les doigts de la main, les enseignants qui ont participé à l'Open de France en gagnant leur place à travers les qualifications. Donc Fred a gagné sa place à la qualif. On ne dira pas le score qu'il a fait ensuite à l'Open de France au Golf National, mais rien que le Golf National, on peut... Il est costaud. Hein. Ouais. Ah non, mais attends. J'ai fait mon plus mauvais score de ma vie, c'était au Golf National. C'est ça. Je pense que même les pros... ça va très, très vite. Ça va très, très vite là-bas. Ouais. Mais en tout cas, un grand coucou à Fred. Alors, je voudrais reprendre maintenant une question de la part d'Elisabeth. Elisabeth Kellas qui est là, qui nous parle, qui dit « Bonjour Lewis, pourrais-tu demander à Julien comment il gère sa concentration ? Est-ce que durant son swing, il y a une gestion de la respiration ?» Pas pendant le swing. En amont, oui. Par contre, moi je le fais quand je putte, oui. C'est hyper important pour moi au putting.
d'avoir une bonne respiration et j'ai mon tempo de putting est basé sur ma respiration. C'est-à-dire que je commence à monter mon putter au milieu de mon expiration. Ça, c'est hyper intéressant. Ok. Et tu l'as En travaillé fait, comment? pour Tu l'as travaillé essayer. avec Ouais, c'est Jeff, ça, ou c'était quelque chose qui... Comment Non, tu l'as développé? c'est quelque chose de mon expérience. En fait, je me suis rendu compte que sous pression, on agit vite avec les mains, etc. Et il faut être le plus zen et le plus cool possible. Et c'est un balancier, hein. Pour moi, t'interviens pas ni sur les mains, ni sur le club. C'est vraiment une amplitude. Tu joues sur l'amplitude et tu respectes l'amplitude que tu as mise pour avoir une distance donnée. Et pour ça, et alors que les amateurs, ils vont toujours mettre un petit coup de main en plus qui va soit rajouter un peu de distance ou diminuer un peu de distance. Et du coup, cette respiration, ça te permet d'avoir ce tempo. Et encore une fois, moi, je parle de beaucoup de contact, en fait. Il faut avoir. Le contact, de toute façon, au golf, c'est pour moi la Ouais, ouais, priorité, quoi. ouais, ouais. Ouais, et puis quand on parle de contact, tu vois, il y a une très belle étude qui a été faite là-dessus quand on compare en fait les joueurs pro ensuite à des joueurs qui sont amateurs entre 0 et 5, 5 et 10, 10 et 15, 15 et 20, on remarque que la plus grande différence justement se fait dans les contacts de balle avec les fers. Que en fait, dépendant de la tranche d'handicap où tu te trouves, que tu pouvais contacter la balle à quelques centimètres derrière ou avant de rentrer en contact avec la balle, et un joueur qui est 20 d'handicap par exemple va rentrer en contact avec la balle ou juste avant, 2-3 centimètres avant, et pour le coup un contact de balle 2-3 centimètres avant, donc légèrement gratté, tu peux perdre rapidement avec un fer 8 10 à 15 mètres, même des fois 20 mètres si tu la touches 5 centimètres avant la balle. Donc c'est vrai que cette priorité de contact. Si tu veux, moi, en fait, depuis que je bosse avec Jeff, je suis à 80-90% basé sur ce contact. Avant, j'ai appris à swinguer. Et j'ai eu un, bah, j'ai un swing très beau, j'ai un swing esthétique, qui est aussi performant puisque j'ai quand même gagné quelques Ça tournois. change tout, ouais. Mais par contre, des fois, c'est un peu le contact, un peu pas vide, mais pas assez punchy, comme quand tu vois un Rory McIlroy quand il tape la balle, elle a les fesses rouges, quoi. Et là, moi, en fait, le but, c'est ça, quoi. C'est d'avoir cette densité et que ta balle, quand elle sort du club, bah, il y a beau y avoir une rafale, elle bouge pas, quoi. Et quand tu regardes le top mondial, c'est ce qui se passe et du coup je suis beaucoup moins focus sur mon club, sur ma gestuelle que depuis que je bosse avec Jeff, je suis beaucoup plus sur le contact. Ouais, donc on met la performance en avant avant de parler de la gestuelle, ce qui est primordial parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, au plus haut niveau, justement, on voit qu'il y a plusieurs façons de taper une balle de golf. Et l'important, c'est la performance. Bon, revenir juste à l'entraînement parce que je reprends le commentaire de Sébastien et je voudrais rebondir là-dessus parce que c'était vraiment un très bon commentaire qui dit bosser sur le point technique précis. Donc là, on parle de quand tu t'entraînes sur l'exercice en question, on te voit en vidéo là. Bosser sur le point technique précis sans attendre dans l'immédiat le résultat de la balle, donc la trajectoire. 100% sur Il lance chaque un balle. message là. Il lance son message là, je crois. 100% sur chaque balle, même au range. En fait, je lis le commentaire, Julien, parce que pour moi, une séance d'entraînement, quand je bosse avec mes amateurs, ça se décline vraiment sur trois parties. Et c'est là où c'est important pour les personnes qui nous regardent de comprendre qu'il y a plusieurs périodes. Dans un entraînement, comme au basket, quand je m'entraînais au basket, il y avait une partie où on travaillait la technique, on travaillait le lancer franc, et puis après, quand il y avait le match, eh ben, on était plus concentré sur la technique, on était concentré sur juste battre l'adversaire, donc on était concentré sur la performance. Et ben, au golf, je pense qu'il y a vraiment trois parties. Il y a la partie où on appelle block practice, donc c'est ce qu'est en train de décrire Sébastien, c'est la partie où tu vas taper un certain nombre de balles, donc 10 balles par exemple, 10 répétitions d'un même exercice où tu vas être focalisé sur quelque chose peut-être de mécanique ou le contact de balle comme tu l'indiquais, et tu vas être vraiment focalisé sur la sensation d'essayer de reproduire la chose de la façon la plus régulière possible. Ensuite, il y a le practice variable où là, par exemple, peut-être que Sébastien va te demander de dire, OK, maintenant on a 10 balles, tu vas taper une balle sur le cible au 100 mètres, ensuite tu vas changer de club, tu vas taper une balle au 150, tu vas changer de club, tu vas taper une balle au 50, tu vas varier tes 10 balles
pour pas justement qu'on sorte du contexte de la répétition. Et ensuite, il y a la troisième partie que je considère la performance practice, où là, l'objectif, ça va être de se mettre en condition de jeu sous forme des exercices qui vont créer des scénarios similaires à ceux que tu vas connaître sur le parcours, même si cela est compliqué. Mais tu vas faire peut-être, je sais pas moi, tu vas te mettre à 4 mètres et tu vas dire, OK, il faut que je rentre un putt à 4 mètres et je pars pas du putting green tant que je l'ai pas rentré. Ou peut-être que tu vas dire, j'ai 5 balles et je dois toucher le 50 mètres, je dois le toucher 5 fois de suite. Enfin, tu vois, c'est Gary Player qui disait, je suis dans le bunker, je quitte pas le bunker tant que j'ai pas rentré 3 balles dans le bunker, en sortant du bunker, pardon. Donc, il faut vraiment organiser sa séance de practice. Tu mets un cadre parce que souvent les amateurs ils vont en practice et ils mélangent en fait les trois parties. Et quand tu mélanges les trois. Moi aussi ça m'arrive. Hein. D'accord. Justement, un Sébastien est là pour voilà, parce que c'est mon défaut et me recadrer. Voilà. Donc du coup c'est un peu l'évolution de l'entraînement de Julien Guerrier. Finalement c'est un peu ça, c'est de créer cette structure qui aujourd'hui te permettent d'optimiser au mieux le temps que tu as au practice, en sachant qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as un peu moins de temps pour aller t'entraîner. Donc du coup, c'est toute une question d'optimiser son temps et de vraiment mettre de l'entraînement qualitatif. En fait, Sébastien, avec Jeff, il discute beaucoup. Et c'est vrai que quand je vais au practice, maintenant, je sais exactement ce que je fais. Souvent... on se fait influencer par cette balle, et quand je travaille un plan, par exemple la technique, il faut pas que je regarde cette balle, il faut que je travaille que ce que j'ai à faire pendant 10 balles, et après dans un deuxième temps, comme tu le fais avec tes amateurs, tu t'occupes de la balle, mais parce que tu es dans de la performance. Avant tu es dans de la répétition et après tu es dans de la performance. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est difficile parce qu'on est, ouais, on est dans un jeu et il faut s'amuser aussi, mais c'est vrai qu'on se marre plus à faire des birdies qu'à faire des bogeys. Non, mais c'est là où l'idée ensuite, parce que j'ai trouvé que c'était top ce que tu as dit au début de ce Facebook Live, où tu disais le plus important, c'est qu'on s'amuse à travers l'entraînement, parce que c'est en s'amusant qu'on a envie de s'entraîner plus aussi. Enfin, tu sais, voilà, ouais, moi j'ai toujours été bon dans ce que j'aimais faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais que quand j'aime faire quelque chose, je sais que je peux devenir bon si j'aime. Parce que si j'aime quelque chose, évidemment, je vais passer beaucoup plus de temps à le faire. Et je pense que la priorité pour un joueur quand il veut devenir professionnel, c'est d'abord d'aimer ce qu'il fait. Parce que s'il aime pas ce qu'il fait, ça va être compliqué de performer au plus haut niveau parce qu'il va pas investir le temps qu'il faut. Et pour investir le temps qu'il faut, il faut aimer ça. Il y a Jeff Luquin qui, du coup, ton coach, à qui on dit un énorme coucou, qui est là. Alors, je sais pas pourquoi, Julien, mais juste avant, il y a eu des commentaires sur ta coupe de cheveux. je sais pas ce qui se passe. Il y a du vent, tu m'avais dit. J'ai ma femme qui a, forcément, il n'y a pas de coiffeur. Avant le confinement, j'étais déjà comme ça. Et j'ai commandé une tondeuse. Et en fait, ma femme a fait son essai sur moi. Donc, d'accord. Ok. Voilà. Donc, il se fout de ma gueule, quoi. Ok, ok, ok. Eh ben, tu vois, en même temps, il y a ta femme qui est là, qui dit merci de ne pas critiquer sa coupe de cheveux. Et Jeff qui est juste avant, qui dit, mais c'est une très belle coupe de cheveux, ça, Julien. Pour être un peu plus sérieux, nous avons beaucoup plus compartimenté son entraînement. Donc, ça revient à ce qu'on disait. Voilà. Vraiment de pas mélanger les trois période importante dans une séance d'entraînement. Tu l'as dit, les joueurs professionnels font, même à ce niveau-là, font des fois l'erreur de mélanger les choses. Moi, je l'ai fait aussi quand j'étais amateur de golf, et c'est ce qui m'a aussi permis de devenir un meilleur coach en lui-même, parce que je me suis renseigné sur justement les performances, comment devenir plus performant grâce à un meilleur entraînement. Et puis, c'est difficile en fait c'est difficile d'être bon quand on mélange ça. Tu vois, quand tu essaies de te focaliser sur quelque chose, soit un changement mécanique, le contact de balle, et en même temps, tu essaies d'être performant au niveau de la trajectoire, tu es en train de mélanger les trois choses, et là, pour le coup, c'est pareil. Raph Jacquelin, qui a une bien plus longue carrière que moi et qui a vu l'évolution depuis, je crois, 97, je crois, un truc comme ça, ou 95, il a vu le changement de niveau sur le circuit européen, le changement d'entraînement. Et c'est maintenant c'est professionnel, mais un truc de dingue. Et maintenant il n'y a plus de place au doute, quoi. Et en fait tout le monde s'entraîne énorme, tout le monde se structure du mieux possible. Et, et,
Et c'est sûr que le niveau, il est maintenant, il est énorme. Et en fait, on recherche tout le temps la performance. Et encore une fois, c'est un peu négatif ce que je dis, mais je dis que je me perds. Mais en fait, on est tout sans cesse dans la performance. Quand on tape mal, bah, on essaye de sortir un peu des sentiers. Et c'est là où c'est le plus dur de rester sur son cap et de le garder. Et je pense que c'est humain parce que tu as envie de faire des birdies, tu as envie de gagner des trophées. En fait, faut prendre le résultat dans l'autre sens. C'est-à-dire que on va avoir de meilleurs résultats si on s'occupe pas du résultat de la balle, par exemple, dans un premier temps. Le Et process. ensuite, voilà, le process, et ensuite, le résultat viendra tout seul. Ouais, c'est l'accumulation de petites choses qui vont t'amener à avoir le succès que tu vas connaître par la suite. C'est ça. Julien, juste avant, je voudrais que tu partages, si tu peux, avec ton. Je vais te remettre en plein écran là. Si tu peux montrer juste avant. Tout de suite, il se coiffe. Je dis en plein écran, tout de suite, il se coiffe. Est-ce que tu pourrais, Fais s'il te plaît. l'ablation, mais Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, montrer ton air d'entraînement là, ton pendant ce confinement? Parce que c'est toujours évidemment la question. Ouais, je vois qu'il y a un mon filet filet avec le derrière. tapis, Il y a le sac de golf, il y a le tapis derrière. j'ai mon Trackman juste derrière, et je tape des balles ici, et bah, pas plus tard qu'à midi là, j'étais avec Bruno Vega qui est de Trackman, Ouais, à qui on et passe un Jeff coucou aussi. Luquin, Ouais. en essayant de justement d'apprendre à utiliser ce Trackman et pas à se perdre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de données. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser surtout sur le wedging et pas de m'occuper de tout ce qui est Les les passes, données un peu etc. plus techniques, les données de Et coach, on va dire, les données de voilà, coach. les données de coach. Et moi, bah là, j'ai mon filet, je suis tout seul. Et tu regardes un peu toutes les données et t'as vite fait de te perdre. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce live avec Bruno Vega de Trackman et mon coach pour justement cibler et aller dans une direction. Donc maintenant, ils m'ont donné un truc à faire. Je suis sur le Dynamic Live et je travaille que ça et j'essaye d'avoir une valeur. J'ai même pas de carry, j'ai rien du tout et je travaille jusqu'à temps que j'arrive à avoir ce Dynamic Live que je veux. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est qu'en fait avec le trackman, comme tu dis, ça reste un outil. L'outil ne remplacera jamais le coach. Et c'est vrai qu'en tant que coach, des fois, moi, ça m'arrive de bosser avec le trackman et de même pas communiquer les données à mon joueur. Parce qu'en fait, les données, des fois, elles sont là pour le coach, pour qu'on puisse nous trouver des informations très très Bien sûr. précises. Ce que le trackman nous donne, ce que l'œil peut pas voir à l'impact. Et là, pour le coup, le fait de se focaliser sur une chose, c'est souvent ce qui revient quand on est joueur, c'est que... Quand je croise des joueurs qui travaillent avec le trackman sur le circuit européen, ils sont focalisés sur une ou peut-être deux choses maximum, mais ils veulent pas se compliquer la vie avec les 26, je crois que c'est 26 ou 27, si je me trompe pas, 26 ou 27 caractéristiques ouais, de données, et même Bruno, qui est juste un mec en or, mec top, qui représente trackman, le dit lui-même, il le dit, écoute, Super. les 26 données, elles sont, enfin, on va pas communiquer les 26 données aux joueurs sur chaque balle. L'objectif, c'est de trouver la chose que le joueur veut travailler et de se focaliser sur, justement, la chose pour rendre les choses le plus Là, simple possible. son discours, ça a été de pas prendre deux données, c'était d'en prendre une Une. et pas plus. C'est comme quand on tape une balle, faut avoir une seule pensée. Si tu commences à en avoir deux, ça commence à Et devenir donc un peu sur le compliqué. Dynamic Lie, du coup, c'est quoi? C'est avec les fers, avec le driver, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Bah alors, en fait, moi, avant que je me blesse au pouce, j'ai travaillé sur avoir des mains assez basses et parce que j'ai tendance à avoir des mains hauts à l'impact et du coup avoir une face qui bouge beaucoup, qui est pas régulière. Et quand tu as des mains plus basses, tu as une face de club qui revient square beaucoup plus souvent. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai réussi à avoir une grosse régularité. Et je me suis blessé au pouce. Et depuis que j'ai repris, bah forcément, j'avais toujours une douleur. Et t'as de l'appréhension aussi qui est, puisque j'appuie sur ce pouce. Et donc, j'ai à nouveau ces mains qui sont trop hautes dans la zone d'impact. Et du coup, je travaille pour baisser mes mains. Du coup, pour bah, j'ai un. J'ai un dynamic lie beaucoup trop upright, donc des mains beaucoup trop hautes dans la zone d'impact, donc une face qui bouge beaucoup trop dans l'impact. Donc j'essaye de me débrouiller à trouver moi-même ce qu'il me faut pour diminuer ce dynamic lie
et pour être bah, avoir une face plus régulière, enfin qui arrive plus square régulièrement quoi. Ça fait, tu sais, ça fait 3-4 semaines qu'on est en confinement et j'ai eu l'occasion d'échanger, d'avoir voilà, cette superbe opportunité de pouvoir échanger avec une douzaine de joueurs du tour durant ce confinement. Et c'est à chaque fois, ça revient systématiquement, c'est neutraliser la phase de club à l'impact, de la garder la plus stable possible, de la façon la plus régulière possible. Et à chaque fois, il y a une façon différente, le joueur a une façon différente de décrire comment il fait. Donc tu vois, la façon où tu décris ton travail en ce moment, personne, aucun joueur auparavant durant le confinement l'avait encore expliqué de la façon dont toi tu es en train de le travailler, mais ça revient toujours systématiquement à voir cette phase de club qui est le plus neutre possible à l'impact de la façon la plus régulière possible. C'est ça, Ah, exactement. des jolis commentaires là de la part de l'audience, je voudrais t'en lire quelques-uns. Alors, on parlait de ta coupe de cheveux, mais évidemment, il y a Jean-Philippe Prince qui est là qui dit Qui est meilleur Lewis, non, encore. non, 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 mais là, cette fois-ci, c'est targeté vers moi, tu vois. Donc, c'est pas Jean-Philippe Prince qui J'aurais dit pu mettre tu... la casquette sur la prochaine. Hein. Attends, oh, tu sais pas ce qui se passe en dessous. Il dit Lewis, toi, tu n'as pas de problème de cheveux. Toi, tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, moi, je Ça va préfère. trop vite, ça. Y a pas mal de personnes qui préféraient avoir ton problème que le mien. Mais en tout cas, Minouche de Brou qui dit, en tout cas, je te souhaite de continuer à performer. Donc, ce commentaire pour toi, Julien, je te souhaite de continuer à performer. Bonne continuation et peut-être à bientôt à Bruxelles ou à Valderrama. Donc, tu as pas mal de personnes qui te soutiennent, qui sont là. Julien, comme je le fais toujours, quand on reçoit des invités, la première chose que je voudrais faire, c'est te remercier pour ton temps. Parce que c'est juste, voilà, c'est Merci à toi. comme je te l'ai dit, c'est une superbe opportunité de pouvoir échanger avec un joueur de ton niveau. Et de surtout de pouvoir rentrer un petit peu dans la team, parce que tu vois, il y a ton coach, ton Sébastien qui est là, et Jeff Luquin qui est là, de rentrer un petit peu dans l'intimité du staff et de comprendre comment vous travaillez pour vous permettre de performer à l'entraînement, et d'avoir cette humilité que tu as, de pouvoir décrire aussi les moments qui ont été un peu plus compliqués, et de dire, bah voilà, voilà, on est tous humains, il y a eu des moments où ça a été un peu plus difficile que d'autres, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tu es sur le circuit européen. Tu es là et à travers justement ces années où il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui t'ont arrivé, tu portes pas le nom de guerrier pour rien, tu es bien là. Et comme tu as pu le montrer à travers ces derniers tournois, notamment comme moi je t'ai vu à l'île Maurice avec ce top 10, moi je l'ai dit quand j'ai vu ton swing, quand je t'ai vu au practice, franchement. Alors je sais, voilà, il y a plusieurs façons de swinger un club et tu parlais de la performance avant de parler de la gestuelle. Mais quand même, tu vois, quand même, le swing, tu fais partie de mes swings préférés sur le circuit. C'est juste, voilà, Tu quand je dis te. ça à tout le monde, en fait, hein. Non, bah, tu sais Après le quoi? live, c'est ça? Tu sais quoi? Non. Tu l'as vu le live avec Raph. Tu Le sais quoi? sympa. Si je pouvais à la fin de ces lives faire un montage, si je prendrais le tempo, tu sais, je prendrais peut-être le tempo de Raphaël Jacquelin. Tu vois, enfin, tu vois, de monter, de, tu vois, tu montrais le mental de tel joueur, le physique d'un autre joueur. Enfin, tu vois, tu prendras un petit peu, tu piques un peu à droite à gauche. Hein. Mais en tout cas, voilà, un énorme bravo à toi. Je te lis en même temps les commentaires. Alexandra Luquin qui est là, qui dit bravo à la team guerrier, le meilleur est à venir. Jean-Philippe Prince qui dit c'est vraiment sympa de mieux connaître ce garçon, très attachant. Merci messieurs, on apprend beaucoup de grands joueurs. Elisabeth Kellas qui dit merci à vous deux, bise. Jean-Philippe Bétou qui dit le plus beau swing du circuit. Donc tu vois, c'est pas juste. Moi j'ai pas dit le plus beau swing du circuit. Attention, j'ai dit ah. Julien Chartier qui dit bravo, merci, bonne continuation à toi. Vivement la reprise des tournois, qu'on te suive sur le grand tour. Donc voilà, donc encore une fois que des commentaires et donc Julien, je te laisse maintenant le mot de la fin. Bah écoutez, merci à tous, merci de nous suivre, de supporter les Français, comme je l'ai dit. Et en tout cas, on essaye de porter ce drapeau haut et on va essayer de vous rendre fiers. Voilà, tout simplement. Top, top. Une fois que la reprise est faite, on espère le plus rapidement possible Restez de la chez façon. vous. Ouais, c'est ça, la façon la plus sécure possible. Là, C'est on va avoir clair. une annonce, une mauvaise nouvelle malheureusement fin de semaine concernant. Bah, j'en dirai pas plus, mais bon, on va normalement devoir Ah, avoir une nouvelle. Ouais, bon, on va tu veux avoir. nous annoncer quelque Non, non, chose? non, non, je vais pas annoncer. Non, je vais rien annoncer. Je vais avoir des problèmes. Julien, C'est reste dans avec l'intérêt moi. de la Julien, reste avec moi en off. Je vais juste te dire un petit au revoir sur Skype. Et puis, juste pour toutes les personnes qui nous regardent, un grand merci à vous. Vous allez pouvoir retrouver Rémi Bédu,
Guillaume Biogeau demain. Donc demain, ça va être 11h avec Cyril Guazigo. Ça va être le réveil matinal pour préparation physique. 14h, il y aura John Lawson, il me semble. Et puis ensuite, à 17h, vous allez retrouver Rémi Bédu ou Guillaume Biogeau. Et puis moi, pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver vendredi à 17h. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire qu'on a vraiment des très beaux invités qui seront là aussi. D'autres joueurs du circuit européen. On a Robin Roussel, que tu connais, Julien, qui sera là avec nous. Et on remercie encore une fois tous ces joueurs formidables qui se joignent à nous durant le confinement pour essayer de la vivre de la meilleure façon possible. Donc passez tous une excellente soirée et puis à très bientôt.